Dieu est mon salut, j'aurai confiance, et je ne craindrai pas. » Dans ce passage d'Ésaïe chapitre 12 verset 2, le prophète nous révèle une vérité puissante sur la relation que nous avons avec Dieu. Dieu est décrit comme notre « salut », ce qui signifie qu'il est notre libérateur, notre protecteur et notre refuge. Cette affirmation nous rappelle que nous pouvons compter sur Dieu en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque le texte dit « j'aurai confiance » et « je ne craindrai pas », cela nous invite à nous appuyer pleinement sur Dieu et à ne pas laisser la peur gouverner nos vies. Cette assurance découle de notre foi en Dieu et de notre compréhension de son amour incommensurable pour nous. Ce passage nous enseigne l'importance de la confiance en Dieu et nous encourage à abandonner nos inquiétudes et nos craintes. En développant une relation solide avec Dieu et en nous appuyant sur lui, nous sommes en mesure de surmonter les défis que la vie peut nous présenter. Comment puis-je renforcer ma confiance en Dieu et vaincre mes peurs? Pour renforcer votre confiance en Dieu, il est essentiel de passer du temps dans la prière et la méditation, de lire la Bible régulièrement et de chercher à développer une relation personnelle avec Dieu. En vous rapprochant de Dieu, vous pourrez mieux comprendre son amour et sa présence constante dans votre vie, ce qui vous aidera à surmonter vos peurs. Quelle est la signification du salut dans ce passage et comment cela s'applique-t-il à ma vie? Le salut, dans ce contexte, fait référence à la protection, la délivrance et la libération que Dieu nous offre. Cela signifie que Dieu est notre refuge et notre soutien dans les moments difficiles. En tant que croyant, vous pouvez vous appuyer sur Dieu pour vous guider et vous protéger tout au long de votre vie. Le salut est également un cadeau spirituel, car il représente le pardon et la vie éternelle que Dieu offre à ceux qui placent leur foi en lui.